Alors, heureux d'être ici, bien sûr, mais fidèle. Oui, ah oui. Et régulier, tout ce qui se passe dans cet espace culturel. Bon, Maryse vient de le dire, je crois que c'était important qu'on nous fasse vivre dans ce plus large espace culturel, puisque on est à la fois ici entre le musée du Sceau d'Arles et entre l'atelier de Casimir Ferrer. Donc, peut-être qu'effectivement, ici, il y a des zones de propices à la culture et c'est à mieux. Moi, je suis heureux que ce centre, que ce lieu culturel vive à Saint-Jury. J'espère qu'il durera très longtemps. Je souhaite un pays. Donc, évidemment, aussi félicitations. Et vous avez pu constater tout l'art d'Isabelle et de Francis. Isabelle donc, vient d'un village qui est une pépinière culturelle. Je vois Serge Lenot, là, le maire donc, de Saint-Liès, qui se cache et il suit ses administrés jusqu'à Saint-Jury. C'est très bien aussi. Donc félicitations pour tout ça, pour une première exposition. Moi je suis très surpris parce que apparemment c'est une débutante, il y a un an qu'elle est dans la peinture et je trouve franchement qu'il y a beaucoup de talent, il y a quelques années que ça va donner, un talent pareil si ça continue d'éclore. Donc merci à vous tous, merci de faire vivre ce lieu, c'est important, notamment cette période qui est un peu plus difficile puisque les jours sont plus courts, il fait un peu moins beau, même si cette arrière-saison est assez formidable. Merci de faire vivre tout ça. Et puis j'espère qu'on se retrouvera encore bien souvent pour de nouveaux vernissages ici. Puis merci à vous d'être venu exposer ici. C'est important aussi. Cet espace est là, mais il ne peut vivre qu'avec des artistes et nous ceux qui les accompagnent. Et nous, je crois que c'est le minimum, nous élus, qu'on soit là lorsque des manifestations pareilles se déroulent sur nos communes. Et la preuve que nous sommes là avec la mairie de Saint-Jury et aussi le maire de Saint-Liès. Donc ça veut dire aussi qu'on a besoin de vous, on a besoin de vos associations, de ce monde culturel. Je l'ai dit, je le redis souvent, dans ces périodes difficiles économiquement, il est important que la culture continue à vivre. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de délaissé dans les problèmes financiers que vous pouvez sentir actuellement. Donc, merci à vous. Ne vous remerciez pas à nous, élus. C'est nous qui devons vous remercier pour ce que vous faites. Merci. Et puis à vous d'être venus. Voilà, c'est maintenant vers prendre le temps de la vin. C'est pas un vin chaud, on l'a pas. C'était prévu, mais... Mais on l'a pas fait.